Assalamu alaikum, bonjour famille de cœur, je suis à côté de Fadwa Naïf. Fadwa Naïf, j'ai décidé à acheter des cadeaux pour les associations avec qui je travaille. J'ai souhaité avoir quelque chose qui est fabriqué avec des mains palestiniennes en fait. Et voilà un exemple extraordinaire qui est adorable. Et voilà, je leur dis que je vais acheter une cadeau et je pensais que c'était une chose chouette qu'elle soit faite palestinienne de Gaza, de Gaza. مثال جميل فدوى فدوى نايف فدوى ديزاين elle fait avec de l'argent elle fait des bijoux et voilà كلميني بقى انا ما بين ايديك اوكي انا بشتغل كل فضه شغل يدوي سي دو لارجون مانويل كل كوليكشن بيكون فيها تيم معين chaque collection traite un thème spécial الكوليكشن هذه Elle dit que cette collection que je vais utiliser quelques-uns pour envoyer pour la France, le thème général de cette collection c'est la mer parce que Gaza danse sur la mer. Et chaque article dans la collection a une signification pour elle. Et si elle montre par exemple un exemple qu'elle a fait, je sais pas, ce sont des algues, parce que ça représente la profondeur de la mer palestinienne. كثير حلوه هذه اللي هو الصدف تاع البحر اللي هي بترمز للحصار انه احنا اللون اللي جوا وهذا Interesting. Okay. Par exemple, cette bague, ça représente. C'est comme une coquillage. Il y a dedans un diamant, une perle, pardon. Et elle a mis le coquillage fermé. C'est comme un symbole pour montrer le siège contre la bande imposée sur la bande de Gaza. هذه كمان اللي هي زي شكل القوقعة تاعت البحر اللي هي رمز للحياة يعني اللي هي بلفاتها ودوراناتها. C'est comme si aussi un autre type de coquillage et qui est spirale de telle façon qui montre la vie qui continue qui se développe aussi à la bande de Gaza. C'est bizarre parce que lorsqu'on connaît les significations des articles, ça donne plus de beauté. Le ma'arif, c'est le plus beau. Tu comprends ça? Mais je parle. C'est quelque chose dans l'idée. Tu, je vais utiliser les matières naturelles, les pierres naturelles et le fer produits de la terre. Mais en tout cas, il faut que tu puisses transmettre une idée à travers le produit artistique. Elle me dit que c'est très beau ce qu'elle dit. Elle dit que moi, j'utilise les matériaux qui viennent de la terre. Et si j'utilise un truc qui est à la base de la terre, il faut que ça donne une signification dans la vie. Parce que la terre, ça signifie et ça symbolise la vie. Ok. Hadi masalan, li samaki. Ok. Le samak ramz la l'hub ou l'amal ou l'ata ou l'marah. Hatta hi shakla hon yani. C'est wahda, mish samakaya, mish samak. Yani ishi hiki mubhij yani no. Elle dit que, par exemple, celle-là, ça représente la vie à la bande de Gaza. C'est un poisson, et le poisson, pour elle, ça symbolise la vie. Et elle dit que c'est une dame, ça se voit avec ses lèvres et tout. Et ça montre la joie, malgré tout, qu'il y a de la joie à la bande de Gaza. Rahima, je veux les prendre tous. Même si elle est cool, il y a une chose comme celle-là. Les vagues qui représentent la liberté. Il y a des bracelets qu'il y a où c'est écrit Hope, espoir. Et il y en a d'autres sur lesquels c'était écrit Palestine, liberté, et des concepts en fait qui se sont représentés par les mots dont on a besoin à la bande de Gaza et qu'on espère aussi.
La prochaine collection, ça traitera, inch'Allah, le printemps et le temps de printemps. Voilà. Je voulais juste vous remercier, premièrement, parce que je voulais que vous voyiez qu'à la bande de Gaza, il y a des gens qui fabriquent. On a des talents. Et je veux que mes cadeaux soient des mêmes palestiniennes. Comme Fadwa, mashallah, yani ana alik bel. Bqolom nana li ana aiz aqolkom inno fi nas zay Fadwa, wa ay nas andhom don, andhom gift, yani gift talented. Fa mashallah, ana alik bel.